Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Power Camp. Alors vous avez vu, on est en plein soleil là. Plein cagnard. Ouais, je suis avec Nicolas, on fait une vidéo un peu particulière aujourd'hui. En fait Nicolas il est hypnotiseur. C'est ça, voilà. Ouais, exactement. Il est coach et hypnotiseur, donc tu fais aussi de l'hypnose dans le domaine sportif. Exactement. Et en gros on s'est dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo un petit peu originale où on va en fait essayer d'hypnotiser les athlètes de la salle. Ouais. Alors on va les aider soit à performer, ou alors carrément ne plus savoir faire un squat par exemple. Voilà, plus savoir faire un squat. Est-ce que tu peux donner un peu tes infos, tes contacts? Est-ce que tu fais de l'hypnose pour les sportifs aussi? Ouais, tout à fait. Alors comme il a dit, moi je suis coach sportif à la base, mais maintenant je fais de l'événementiel, donc je fais du spectacle. Et je me suis rendu compte qu'avec l'hypnose on pouvait aller très loin, et notamment chez les sportifs, que ce soit dans la performance ou complètement l'inverse. Bon, on va voir, je suis sûr que Marin il est hyper réceptif en plus. Il y a des chances. Et bon, on se retrouve à l'intérieur, on va tester tout ça, c'est parti. Cédar, regarde Cédar, à 3 tu dors. Hein? C'est bon. Un énorme tampon à la gueule, tu peux claquer des doigts 10 fois, il se réveille pas, c'est fini. Du coup, vous avez le permis tous? Ça vous arrive déjà d'être au volant et d'être dans les vagues, de brancher. Ouais. Débrancher, pourtant vous continuez de rouler, vous passez de vitesse, prenez votre sortie de roquette et tout ça, c'est des états d'hypnose. Moi le but c'est que j'ai un sursaut de pied. Et en fait, je vous les présente ces clés et vous chopez les clés que vous voulez et vous ouvrez les portes. D'accord ? Avec le chiffre 3, désormais, votre réalité est déformée et vous vivez dans un monde de rêve et d'imaginaire somnambulique où vous êtes capable de rebasculer en état d'hypnose instantanément. Avec le 1, désormais, réalité déformée. Avec le 2, vous êtes capable de repartir en état d'hypnose instantanément. Avec le chiffre 3, maintenant, vous pouvez vous réveiller juste comme ça. Allez-y, réveillez-vous, ouvrez les yeux, même si c'est difficile. Allez, on ouvre les yeux. Voilà. Allez, on ouvre. Donc, ces yeux. Ça va? Vous pouvez être fiers de vous, parce que, en tout cas, ceux qui sont là, ils sont très très fiers de vous. Allez-y, levez-vous. Levez-vous. Très bien. Donc, on va te prendre avec la barre. Regarde, tu vas te mettre ici, tu vois, sur le logo. En fait, maintenant, un mouvement que tu sais bien faire, c'est le squat, c'est ça? Oui. Ouais, entre toi. T'es forte en squat? T'as combien en squat? C'est quoi ton record personnel? 100 kg. 100 kg? Tu l'as régulièrement ou c'est vraiment une barre? Ok. C'est quoi une barre que tu as régulièrement en force, je veux dire, mais que tu as régulièrement? 80. Ouais, tu t'entraînes sur 2 reps, 3 reps facilement? Ok, ça marche. Mets ta main ici. Très bien. Regarde ma main. Et ferme les yeux et dors maintenant. Juste comme ça, tu es calme, tu es détendu, tout se passe merveilleusement bien. Tu peux être fier de toi, car nous, on est très très fier de toi. Mais à partir de maintenant, aussi fort que ta main était collée, aussi fort que ton bras ne pouvait pas se plier, maintenant, juste comme ça, tu es incapable de faire un squat, même au poids de corps. Juste comme ça. Avec le chiffre 1, désormais, la flexion de jambe n'existe plus. Avec le 2, même si tu essaies de t'en souvenir, tu t'en souviendras pas. Avec le chiffre 3, tu auras le souvenir que tu as su squatter, mais qu'aujourd'hui, tu es incapable de le faire. Juste comme ça. Impossible de squatter à partir de maintenant. Tu peux hocher la tête si tu as compris. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ton bras, t'arrives à le plier? Nickel. On est à Power Camp, c'est ça? Est-ce que tu peux me dire les mouvements qui existent en haltérophilie? L'arraché et le jeté. Ok. Et l'arraché, il faut faire quel mouvement en précision? Flexion? D'accord. Est-ce que tu peux me montrer à quoi ressemble la flexion? Tu vas essayer? Ah, ça arrive, super. Ah, vas-y, va plus bas, hein, c'est dur. Hein. Comme ça. Regarde, on a envie maintenant, tac, tu dors dans cette position. Et tu vas rester bloqué dans cette position car tes genoux maintenant sont collés, sont soudés et sont figés à partir de maintenant dans le sol. Ils sont coincés juste comme ça. Avec le 1 maintenant, tes genoux sont coincés. Avec le 2, il est impossible pour toi de les déplier. Et avec le 3 maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Tu sens comment? T'es bien dans cette position? Oui. Tu veux pas bouger? Tu veux pas bouger? Toi, tu veux bouger, mais est-ce que tu te sens capable de bouger? Vas-y, bouge maintenant. Allez, pousse. Allez, pousse plus fort. Regardez-moi, et tout redevient normal. Maintenant, tu peux pousser dans tes jambes. Vous pouvez l'applaudir très fort quand même. Les choses d'amnésie, à partir de maintenant, que cette barre, elle soit si lourde que tu es capable, toi, de la sortir, de la déraquer en sécurité, de descendre en squat. Mais dès que tu es en flexion complète,
tes genoux vont se bloquer parce qu'il y a autant que ton PR. Juste comme ça, maintenant, tu fermes les yeux, juste ici. Avec le chiffre 1 maintenant, la barre que tu vas prendre va être légère. Si légère qu'elle est, c'est une barre à vide. Avec le chiffre 2, lorsque tu descendras, elle sera aussi légère qu'une barre à vide. Mais dès lors que tu seras en flexion complète, tu te retrouveras bloqué dans la même position que tu as vécu il y a quelques secondes. 1, 2, 3, c'est parti. C'est léger et quand tu veux descendre, ça va devenir de plus en plus lourd et bloqué maintenant. Bloqué deux fois plus. Et la barre va redevenir légère instantanément maintenant. Bizarre. Je peux vous l'applaudir encore une fois. Hein. Comment tu te sens? Bizarre. Bizarre, hein? Oui. Bah, bizarre. Hein. T'inquiète pas, c'est juste l'état maintenant. Après, ça va changer. Pas venu me voir pour mon 270, je l'ai fait tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est là? Bah, rien, il est chaud, il attend là, tout à l'heure. Ça va pas durer longtemps, ok? Tu vas faire des tractions, je suppose? Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Remets-toi en face de moi. Très bien, donne-moi ta main. Sommeil maintenant, endormi, calme et détendu, détendu et calme. Sommeil, endormi profondément maintenant. On se sent calme, on se sent détendu à partir de maintenant. Et désormais, tu es ici pour travailler tes tractions comme tu sais les travailler. Sauf qu'à partir de maintenant, tu es incapable de faire une seule traction. Tu vas manquer de force et tu vas essayer de toutes tes forces de fléchir les bras et ils demeureront tendus comme les bras qui demeuraient coincés et soudés. 1, impossible. 2, de faire les tractions. 3, c'est aujourd'hui que tu fais les tractions maintenant. Ça te dit d'essayer de faire des tractions aujourd'hui? Ouais. Ouais, allez, c'est parti. Juste ici, t'as une barre. T'as mal au bras? Allez. Allez, allez. Keeping interdit. Tu peux arrêter d'essayer. Tu arrives à faire les tractions d'habitude? Ouais, normalement. T'en fais combien au max? Je sais pas. Tu sais pas en faire? Fatigué. Fatigué, hein? Comme ça, et t'arriverais même pas à tirer des bras maintenant, vas-y, essaye, t'arriverais même pas à tirer des bras. Et plus t'essayes, et moins t'y arrives. Tu peux relâcher maintenant. Putain. T'es quelqu'un qui a de la poigne en plus, tu fais du judo. Un petit peu. Un petit peu, on a fait beaucoup, mais en tout cas t'as de la poigne, d'accord? Ouais. Tu vas te rendre compte que juste comme ça maintenant, quand je fais ça, regarde. T'arrives même plus à t'accrocher à la barre. D'accord. Quand même. Et ça va glisser de plus en plus. T'as de moins en moins de poignes. Ça glisse de plus en plus. 10 fois plus. Jusqu'à tomber en sécurité. Maintenant. Allez. Je tomberai pas. Tu tomberas pas, bien sûr, tu vas rester debout. Hein. Putain. Super. Vous pouvez l'applaudir aussi. Hein. Regarde, c'est facile, maintenant tu es capable de refaire 3 tractions automatiquement, juste comme ça, 3 tractions, c'est aussi facile que ça. Tu peux lâcher. Tu vois, c'est facile de faire les tractions. D'abord, il faut que je le remette en état d'hypnose. Ouais, mais gros, il m'énerve. Je suis stressé de ouf parce que... Ça passe trop. Je déteste. Ça passe pas. Déjà, tu sais, quand il me fait ça, c'est déjà des trucs qui commencent. C'est vrai ou pas? Tu sens que le cœur bat plus, toi? Ouais, t'es ouf. Fait chaud? Ouais. Ok. C'est normal. Alors, prends une inspiration. J'arrive pas. Si, prends une inspire. Prends une inspire, je me mets pas en face, tu veux. Prends une inspire, souffle. Prends une autre inspiration. Et souffle. Tu fermes les yeux, mais tu dors pas. Tu fermes les yeux, mais tu ne dors pas simplement. Maintenant, tu vas rebasculer dans l'état d'hypnose où tu vas rester encore plus conscient que les dernières fois. Simplement, le bras va devenir plus relâché et plus mou que la dernière fois maintenant. Et à partir de maintenant, le corps va se relâcher pour regagner en énergie. En énergie à partir de maintenant, il se relâche complètement à partir de maintenant. Le bras se relâche et se détend à partir de maintenant, ici. Et tu vas être dans un état d'esprit à partir de ce décompte où tu vas être capable de ce que tu n'étais pas capable encore hier. Avec le chiffre 1 maintenant, tu es en capacité, toi,
bras tendu, de lever une barre olympique. Tu l'as déjà fait par le passé. Avec le chiffre 1, maintenant ça se met dans ta mémoire, juste ici. Avec le 2, ta réalité est déformée. La barre olympique sera si légère que pour toi, bras tendu, il sera facile pour toi de la lever. Bien sûr, tu vas devoir forcer, mais tu vas être en capacité de la lever. Dès que tu sentiras qu'elle décolle, elle sera de plus en plus légère. Avec le chiffre 2, la barre olympique maintenant bras tendu, sera facile pour toi de la décoller. Avec le chiffre 3, elle sera si légère que dans tout ce bras-là maintenant, tu vas mettre toute ton énergie dans ce bras maintenant. Avec le 1, l'énergie bascule dans le bras droit. Avec le 2, ton cœur accélère et ta respiration également. Tu as de plus en plus d'énergie, tu sens de plus en plus de force. Avec le chiffre 3, toute ton énergie, toute ta force est maintenant dans ton bras droit, maintenant. Tu peux ouvrir les yeux. Let's go. Si tu arrives, c'est bizarre. Hein. Il y a une inspiration, le bras devient dur, pesant, et la barre est légère, toute ta force, maintenant, dans le bras. Moi, je quelle paille, gros. Regarde, tu regardes la barre, ici, le bras devient de plus en plus fort, l'épaule de plus en plus forte. Tu as besoin de moins en moins d'efforts pour lever la barre, maintenant. Mais gros, j'arrive pas à la bouger avant. Et regarde, maintenant la barre, elle est vissée dans le sol, ouais, bah elle est coincée. C'est comme ça. Avec le 1 maintenant, elle est coincée, elle est soudée, impossible pour toi de la lever, elle est soudée fermement, maintenant, dans le sol, impossible pour toi de la bouger. T'es deux fois plus fort, t'essayes, t'y arrives pas. Je me dis qu'elle épaule. Panique pas l'épaule, regarde maintenant, elle est légère. Ah, tu vas y arriver. Ouf, je suis pas grave. Tu vas y arriver. Une dernière fois, la barre devient légère, maintenant, et t'es capable de la lever instantanément. Et relâche maintenant. Bravo. Et le bras se relâche. On relâche ici le bras. Et on va remettre tout ça. C'est léger en fait cette barre. Alors t'as pas réussi ou t'as réussi? Ouais, mais j'ai jamais réussi à faire super. On a essayé la semaine dernière avec les gars. Ça m'a choqué quand je l'ai décollé au début. À froid en plus. Ah ouais, mais par contre je sens que j'ai forcé comme un peu. Ah bah bien sûr, heureusement que t'as forcé. Ouais, plus d'autres trucs. Hein. Alors, t'as j'ai chaud de ouf par contre. Ouais, c'est vrai. Vas-y, je vais prendre un pré-workout. Bon, par contre, en vrai, c'était dur. Hein. Bah, heureusement que c'est dur. Je vais pas te faire squatter 300 comme ça. Hein. Ouais, ça, je veux pas faire. Hein. C'est la partie où tu lui as dit tu restes en bas bloqué. Ça, t'as pas besoin de le dire à 300. Ça se fait tout seul.